Par la suite, ce qui peut être fait, c'est au-dessus du ou des groupes qui servent, c'est de créer un calque et vous allez pouvoir dessiner en blanc dessus pour enlever certaines choses qui ne vous plaisent pas. Donc sur un calque vide créé au-dessus, un calque tout à fait normal, on peut aller dessiner en blanc et enlever des choses, modifier. Ah oui, il faudrait peut-être le faire avec une brosse qui n'a pas de bord net, hein, donc CTRL-ALT et en bougeant en hauteur, on a 100% de dureté. Qui a des bornettes, je veux dire, une brosse qui a des bornettes, qui n'a pas de bord flou. Voilà, et vous pouvez aller modifier les choses si vous voulez, supprimer des choses. Voilà. Et si vous avez trop supprimé, vous allez gommer, bien sûr. Vous allez gommer. Outil gomme. Et on enlève les pixels blancs, toujours avec une brosse à bornette, on enlève les pixels blancs là où on les a mis et où on n'aurait pas dû. On fait du CTRL-Z s'il faut, on fait des tests. Je repasse avec le pinceau en blanc, voilà. Ok, ça va? Voilà, j'avais dit que les sourcils, là, j'allais simplifier.